Nang's Reborn. Wow. Bonjour les Reborn. Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Dans la première vidéo du jour, je vous ai promis faire cette vidéo. Mais que se passe-t-il quand le diable rattrape le brouteur ou les Yahoo Boys? Quoi? Après le pacte de l'argent. Ce que nous allons voir ici va vraiment vous étonner. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est d'éviter ce chemin. Le chemin de la facilité. Le chemin où on gagne beaucoup d'argent. Pas le sang. C'est un chemin très mauvais qui finit tout à mal. Après, vous le voyez? On la voit plein dans nos rues. Certains deviennent fous et d'autres font des accidents ou ils meurent dans leur sommeil. C'est vraiment un chemin terrible. C'est très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Venez voir parce que ça, c'est incroyable. Mais vrai. Vous voyez ça? Comment peut-on quitter d'ici à là, juste en un seul clic, juste en une seule heure? C'est étonnant, n'est-ce pas? De brouteur devenu pauvre ou devenu fou après, vraiment, il y a tas de choses à vous montrer. Mais voici comment ça commence toujours. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous voyez, le lien de Dieu n'est pas possible. Voilà. Des briques d'argent, toujours. Vous voyez où ça commence toujours? Ces gens prennent la peine de filmer ça pour balancer sur les réseaux sociaux pour attirer d'autres jeunes. Alors qu'à la fin, il y a la folie, il y a la mort, il y a même des accidents très graves. Très très grave. Et vous voyez ça? Vous voyez? Et ça a l'air beau, hein? Je vous laisse séduire par ces choses, ne le soyez pas. Voici la réalité des faits. L'argent. Worry. Toujours. Et on flex, on s'amuse, on profite de la vie. Ouais. Vous voyez tout ça? Quand vous voyez tout ça, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est extraordinaire. Vous dites que c'est beau. Vous dites que c'est hors du commun. Vous dites que ces gens-là profitent de la vie. Ha ha ha. Profit de la vie. Sérieux. Mais quand on nous dit que certains ont signé pour un contrat de 12 ans et pendant 12 ans ils doivent dépenser 20 milliards, vous voyez ça? 20 milliards. C'est un signe de contrat avec le démon pour 20 milliards et ils ont 12 ans pour vivre toute cette gloire. 12 ans de richesse. Et ils sont prêts à mourir, mais pas dans la pauvreté. Ils veulent tous mourir riches. Ils veulent tous mourir comme des dieux sur terre. Comme des dieux sur terre, sérieux. Vous voulez mourir comme des dieux sur terre. Juste comme ça. C'est pourquoi vous allez faire des deals pas possibles avec le démon. Waouh, mais ça attire quand même. Hein? Vous voyez ça? L'argent. 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 C'est beaucoup d'argent.
Genre, va voir ça. Et on s'amuse, nous sommes chemins, on profite de la vie. Jeune homme, rejoue-toi le jour de ta jeunesse, mais sache qu'un jour tu rendras compte à Dieu. Comme si Dieu le savait, il avait prédit tout ça il y a très longtemps. Regardez. Waouh. Vraiment, quand on voit toutes ces choses, je dois vous dire que c'est. Ça a l'air beau, c'est extraordinaire, mais le prix à payer est énorme. Énorme, énorme, énorme. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet où on voit des Yahoo Boys, un peu comme on dit les brouteurs chez nous. Et ces gens-là ont commencé à manifester des signes de folie. Parfois, quand on voit ça, on pense que c'est de la blague ou bien c'est une vidéo TikTok, mais. Bon, vous pouvez voir par vous-même, regardez. Voici un gars qui a été manifesté des signes de folie. Il va s'asseoir, on ne sait pas quand il le peut mettre lui. Le diable réclame. Voici encore un autre. Qu'est-ce que vous voyez la voiture? Regardez une voiture qui était belle quand les gens l'ont achetée. Mais regardez dans quel état elle est aujourd'hui. Tout ça là, ça vous servait à quoi? Pour vous amuser, acheter de grosses voitures. Mais les voitures là vont pourrir après. Mais votre âme, elle ne pourra pas. Vous l'avez vendu pour rien du tout. 21 milliards d'euros, c'est quoi? Ce n'est rien comparé à votre âme. Ce monde-là va finir par disparaître. Tout va disparaître ici. Vraiment, faites attention. C'est bizarre. Ah, si, seeing house, seeing house this morning. Ah. C'est un autre coup. Est-ce que c'est de la blague? Si tu wake up for your house, you. Maintenant, regardez encore ça. Ils ont fui dans la maison, ils ont trouvé ça. Ils disent, mais qu'est-ce que ça achète dans la chambre d'un jeune homme? Et regardez ce qu'il va nous montrer. Il dit que regardez ce qui se trouvait dans la maison de ce gars qui courait et il manifestait la folie là. Regardez ce qu'on a trouvé dans sa maison. Regardez où. Il dit que je n'ai pas envie de toucher. Maintenant, regardez ce qui se trouve dans la maison d'un jeune homme. Caméléon. Il dit que c'est un caméléon. C'est caméléon de tout. Il dit que, mais qu'est-ce que caméléon fait? Papa vaut du son pour lui ou pas? Finalement, il y a une histoire. Si vous êtes ça. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est du sale. Ce sont les choses traditionnelles, quoi. Les choses du village, les choses sales, les choses du fétiche. Ce sont les choses des féticheurs, ce sont des marabouts. Le diable lui-même, c'est du sale. Il ne fait que faire du sale. Et regardez, le diable veut vous rendre sale. Qu'est-ce qu'une personne doit faire à un truc pareil? Est-ce que c'est pour se pomader? Il dit, regardez, il courait. Il dit que le gars, il est devenu fou ce matin. Il est devenu fou. Regardez ce qu'on a autour dans sa maison. Regardez tout ça. All the guys outside, they careful. Regardez les trucs. La chose est sur moi derrière.
Il dit qu'il ne veut pas tuer sa mère. Voici encore un autre. Voici un autre. Attends. Moi, mais quand il regarde ça, il me dit, mais est-ce que c'est pas de la blague? Est-ce que c'est pas une mise en scène? Regardez le gars. Le gars, il court. Et celui qui filme, il dit, la folie. Regardez. Regardez ce qu'il a de faire. Regardez. C'est bizarre. Hein? C'est vraiment bizarre. Hein? C'est quoi ça? Le diable, vraiment, tu es un fou type. Hein? Regardez, regardez ce qu'il a en train de faire. Madness. Celui qui filme dit la folie. Regardez, il a sa belle voiture ici et puis il va crier là-bas comme une grande n'importe quoi. Madness. Regardez sa voiture. Et il va gêner les gens là-bas. Madness. Il dit folie. La folie. Regardez-le, regardez-le. La chose qui m'a le plus fait mal dans cette affaire, hein, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Là, on va voir des jumeaux. Ah, les jumeaux. Qu'est-ce que les jumeaux là sont allés toucher où? Et ils sont dans cet état. Regardez. Regardez un là-bas. Voici le deuxième ici. Regardez. Regardez l'autre là-bas. Voici le deuxième ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous pouvez voir, il se dit Two Yahoo Twins that run mad in the market. J'ai pour dire deux jumeaux. En fait, il dit deux jumeaux Yahoo. Ont commencé à devenir fous dans un supermarché. Donc ces deux bouteilles là, ils se trouvaient dans un supermarché quand la folie du diable est tombée sur eux. Wow. Vous voyez ça? C'est un truc de ouf quoi. C'est un truc de ouf. Regardez. C'est tout hors du commun. Et les gens regardent ça. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague ou bien c'est une mise à scène ou bien c'est une chose pour faire le buzz? Parce que ça arrive de nos jours. Waouh, la vie. Hein. La vie. Regardez les deux. C'est comme si c'était un miroir. On voit un jeune homme qui quitte de l'autre côté, qui vient, il le soulève. Il le tape, essaie de taper. Ah, frère, quel chien, il y a quoi? Voici vos vêtements, quel est le problème avec vous? Regardez ce femme à même sa tête. On va les soulever tout doucement. Va les mettre où? Et ils sont tous véhiculés, ils ont des frères, ils ont des vraies caisses. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est un truc de ouf, hein? C'est un truc de ouf. Alors que tout avait commencé comme ça. Hein? Ah, la vie. La vie, hein? Si tu es devenu un grand gars rapidement, vite, chop. Si tu ne fais pas attention, tu vas rencontrer le diable sur ton chemin. C'est pas beau. Tu vas rencontrer le diable sur ton chemin. L'argent, la richesse, le boucan, l'ambiance, la joie. Et on aime tout ça. Nous tous, on aime ça. Quand les gens qui te citaient maintenant sont en bas, tu m'as su comme c'est pas possible parce que tu as l'argent. Ça a l'air cool, hein? Mais ne sert à rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Regardez. L'argent.
la vraie caisse, la vraie voiture. L'argent. La vraie caisse, la vraie voiture. On fait le boucan. Ouais. On fait le boucan. Bon, on a peu de temps à vivre. Peu de temps à vivre. Vous voyez ça? Waouh. Maintenant, dites-moi ce que vous, vous en pensez. Voilà, c'était ce que j'ai promis vous montrer aujourd'hui. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo du jour. Vraiment, c'est ça. C'est ça. C'est ça ce point. Que font les parents? En général, les parents disent à leurs enfants à un moment donné, ah, allez vous chercher, allez vous chercher. Vous leur dites, allez vous chercher là. Voici maintenant où sont les chercher. Il y a la mort qui arrive. Tes jumeaux, t'es devenu fou. C'est la patrie avec qui m'a le plus vraiment surpris. Il me fait mal. Dites-moi qu'est-ce que vous avez le plus touché dans cette vidéo. Si ce jour de rendez-vous pour la prochaine vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, battez la cloche et soyez prêts. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nyanse Bonne 3. Avec Nyanse Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nyanse Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.